Salut à tous, c'est Trunken et on se retrouve pour la suite de God of War. God of War, si vous voulez, on s'en fout. Donc on est face à la tombe de l'Archilol. Et il faut passer. Chut! Ouh. Encore une histoire de chrono. Et ici ça ouvre la porte, de l'autre côté ça ouvre aussi la porte. Bon, on va en profiter pour casser tout ce qu'on peut. Sortir ça. Le statut de quoi, la justice? Ouais, on s'en fout. Elle va aller sur le socle. J'ai dit, elle va aller sur le socle. Voilà. Ça va ouvrir cette partie-là de la grille. Ah, on casse tout ça. On casse tout ça. Gâchette de merde. Ah putain, c'est tellement mieux sur Play 2. Alors, bon là je suis en galère de magie, donc peut-être de la magie ça serait bien. Oh des connards! Boum boum! Allez, rencontre donc ton créateur! Oh, il est passé normal lui! Voilà! Hop, prise de judo. Et voilà, maintenant t'es mort. Donc, où en étions-nous? On en était déjà, on va augmenter un petit peu ça. C'est bientôt au max les lames. T'es complètement guaqué, hein, tu toucheras pas le sol. Et voilà. J'ai défoncé là par contre. Voilà. Hop. Ça c'est fait. J'ai pas le temps. Oh là là, le cyclope s'est fait défoncer. Ah, ça bouffe beaucoup de magie ça, mais alors qu'est-ce que c'est efficace. Tiens, tiens, j'adore les chiens, mais pas maintenant. Voilà. Ça c'est fait. Alors il y a des, y a une échelle là. Pa-pa-pa-pa.
coffre, ça c'est cool. Un coffre avec du mana. Roulade. Là, y'a rien. Donc on va monter ici. Hein. Y a une grutte. Alors il faut, ouais, il faut pousser, tac 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 tac, bah, c'est bon. Et on casse tout, ouais. Bélier. Hop, tu peux remonter. On va se mettre à l'emplacement de la statue LOLS. Que j'aurais pas dû mettre là en fait. Là, du coup je suis obligé de descendre. Comment elle m'a induit en erreur la musique, je suis dégoûté. Hop, donc la musique, la musique, la statue, on l'envoie là-bas. Ah bah je savais bien qu'il y avait un greu-greu. Aïe. Allez, viens là. Raté. Hop, je suis dans ton dos. Boum. Voilà, ça c'est fait. Hop. Pam, 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 pam. Voilà, donc là, ça a ouvert le bordel. Donc on remonte, n'est-ce pas? Comme le schtroumpf à lunettes qui dit n'est-ce pas tout le temps. Bon, j'allais voir le grand schtroumpf, n'est-ce pas? On va réouvrir cette merde de porte à la con avec la gâchette de merde de la PS3. Ah, c'est bien pour des trucs réflexes, genre tirer et tout ça, mais pour à mâcher, pour appuyer souvent, c'est chiant cette gâchette là. Et donc là, ce coup-ci, on va directement lâcher le caillou sur le ouais, l'endroit où j'avais mis la statue tout à l'heure. Donc, d'ailleurs, on va le mettre un peu plus droit. Voilà, c'est bien. Ça va ouvrir les premières grilles. Voilà. On peut les casser ça aussi. Non. Ok. Donc là ça va être un peu compliqué. Voilà. Et le but, on va sauvegarder d'ailleurs, ça sera fait. Hop, la tombe de l'architecte.
Ok. Donc là, c'est du timing, hein. Et la porte là-bas, elle va s'ouvrir. Ah, ouais, j'ai raté. J'ai un peu trop vite. Ouais, c'est passé. Et donc l'architecte. Hein. Ah, lui il est mort. Voilà, t'écris, essayez de m'arrêter. Elle a dit que les dieux étaient fous, que moi aussi. Elle a peut-être raison, mais ils sont venus à moi, ils croient en moi, il faut l'arrêter, mais ma famille est partie, je ne peux continuer. C'est pas faux. Poilodo. Bon, il y a encore des trucs à vandaliser, hein, comme dans toute bonne pièce dans God of War. En Inde, les croquis de nombreux pièges du temple de Pandore, au bas de chaque croquis se trouve le nom de Pathos Verdes 3. C'est pas faux. Donc là, la grue qu'on a vue tout à l'heure. Le géant avec qui balancer la boule. Je vois pas ce que c'est, enfin je me rappelle pas. Et donc, je suis désolé. Ah, gâchette de merde. C'est un bruit pas possible en plus. Ah, bon bah ça c'est fait. Sort de tête, lol. Boum. Padalala. Donc là, il y a quand même des trucs à choper, hein. Même ici. Yo! Ah, ça fait quand même plaisir. Je sais pas si on peut les casser. Les... Non, on peut pas casser les pierres quand même, faut pas déconner. Bon, c'est pas mal déjà. Y a rien de l'autre côté. Un petit coup de... Hop, 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 hop. Petit coup de sauvegarde, hein. Parce que ça fait pas de mal. La tombe de l'architecte. Voilà. Et on est parti. Entrer dans la bouche du monsieur. Bonjour. Ah bah c'était de l'autre côté. Ah ouais, c'est un bon colimaçon ça. Y'a rien en bas, y'a rien en bas. C'est jamais, il plombe toujours des trucs sur les escaliers. Oh non! Ah c'est hyper chiant ici. C'est hyper chiant. Faut arriver là-bas. La boîte de Pandore est juste dans le globe entre les statues. Il est juste là. Il faut déjà passer l'ultime piège. Est-ce
qu'on va faire, c'est qu'on va se placer genre là. Oh, je suis mort. Je sais pas ce qui m'a tué en fait. Pardon. Voilà, on essaie de tuer un peu tout ce qui passe. On reste sur les près des piliers, comme ça on glisse pas. On va pas vers les saloperies. On évite les rouleaux. Voilà. Hop. Ah oui, ce qu'il faudrait bien, c'est de les faire tomber en fait carrément. Ok, donc c'est un peu chaud pour l'instant. Voilà, il reste plus beaucoup de RP normalement. Hop. Voilà. Putain de relou. Tendu. Hop. Oh, fit. C'est pas du tout un passage évident. La, 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 la. Alors peut-être si j'arrive à... Voilà. Vous m'emmerdez. Allez. Ah, vous me faites chier. Ah, c'est la flamme qui m'a tué tout à l'heure. Ok. Bon. Et...
C'est un petit peu concentré, excusez-moi. C'est bon, ça finit la méthode Street Fighter, je te cale dans un coin et hop. Moi aussi je peux vous caler dans des coins du coup là. Faire comment pour les buter? Ah, il reste un archer. Allez, viens là. Ah bah putain. Ah. Bah c'était chaud. C'est une image d'un homme battant Zeus, une image du futur. Bah les couilles! Et celui des trois dieux, les trois frères, le seigneur Hadès, Zeus et Poséidon. Ouais, on s'en bat les steaks. De tuer un lieu. Kratos, votre quête touche à sa fin. Vous êtes le premier mortel à atteindre la boîte de Pandore. Vous pouvez encore sauver Athènes, rapporter la boîte dans ma cité et utiliser-la pour tuer Arès. Retournez à Athènes, Kratos. Allez sauver ma cité. Carrément quoi. D'accord, mais quand même. Ascenseur. Et oui, c'était là. Elle est classe la boîte de Pandore quand même, avec les flammes et tout. Rapporte-la
rapporter la boîte de Pandore à Athènes, Kratos. D'accord, ce sera fait. Vous pouvez vaincre Arès sans elle. En tout cas, elle glisse bien sur le parquet, c'est bien ciré, ça. Mon Dieu, une boîte vivante! C'est suspense. Pourtant, je suis pas sur une échelle. Mais... Après des milliers d'années, la boîte de Pandore put enfin être libérée. Kratos avait trouvé le moyen de détruire le dieu de la guerre. Loin de là, à Athènes, Arès sut que Kratos était parvenu au bout de sa quête. Nani. Ainsi, Spartiate, vous avez retrouvé la précieuse boîte de Zeus. Mais vous ne vivrez pas assez longtemps pour la voir ouverte. C'est pas la moitié d'un rouquin, hein. J'y veillerai. Adieu, Spartiate. Oui, ça va piquer, ça. Vous pourrirez dans les profondeurs des enfers pour l'éternité tout entière. Tandis que la vie quittait le corps de Kratos, il repensa à cette nuit fatidique. Même dans la mort, les souvenirs, les visions ne disparaîtraient pas. Comment pouvait-il oublier qu'il avait fait couler le sang de sa propre famille ? Eh oui. Un tour cruel. Sa femme et sa fille. Par le dieu de la guerre. Ma femme. Mon enfant. Comment ? Elles étaient à Sparte. Vous évoluez comme je l'avais imaginé, Kratos. Maintenant que votre femme et votre fille sont mortes, plus rien ne vous retiendra. Vous allez devenir encore plus fort. Vous allez devenir la mort en personne. T'es qu'une pute. Mais tandis que le temple s'embrasait, Kratos réalisa que son véritable ennemi était le dieu qu'il avait autrefois sauvé. Ce même dieu qui lui avait maintenant tout pris. Arès ! À partir de cette nuit, la marque de votre terrible crime sera visible par tous. Les cendres de votre femme et de votre fille resteront collées sur votre peau. Jamais elles ne s'en iront. Avec cette malédiction, nul ne pourrait ignorer le monstre qu'il était devenu. La peau blanchie par les cendres de sa famille trépassée, le fantôme de Sparte était né. Et voilà. Là, on comprend mieux. Dans la mort, il avait échoué. Alors que les serviteurs d'Arès s'emparaient de la boîte de Pandore, Kratos s'éteignit et son âme maudite fut jetée dans le feu des enfers. Et Kratos fut précipité dans l'autre monde, attiré dans le Styx, dont les courants étaient assez puissants pour transporter le plus fort des mortels jusqu'à son lieu de repos éternel. Mais Kratos n'avait pas l'intention de se reposer. Il avait l'intention de vivre, de revenir sur Terre et d'achever sa quête. Mais lâchez-moi ! C'est le capitaine du bateau du début du jeu. Il me reste une tâche à accomplir là-haut. J'y arriverai. Encore vous ? Ta gueule ! Et donc voilà, on va s'arrêter ici pour... Oh quoi que, il y a peut-être un point de sauvegarde. Oui, ce serait mieux de sauvegarder. La voix d'Hadès. Ouais. On va prendre d'abord de la santé. Et de la magie. Voilà, maintenant qu'on est full. On va pouvoir se dire au revoir tout en sauvegardant. Donc moi je vous dis à la semaine prochaine pour la suite et certainement la fin de God of War, en tout cas de ce jeu-là. Voilà. Salut à tous, bye!